Salut à tous, c'est Trunkan, on se retrouve à nouveau dans FF13, j'allais dire FF13 Remake, n'importe quoi. On est dans les Tesseract, dans le berceau d'Orphan, et ça fait mal au crâne, hein, honnêtement. Oui, bonjour! D'accord, j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix. Ok. Quoi? Oh là là! Bah, c'est la gueule du coup, hein. Énormément de monstres. Est-ce qu'on peut pas passer le... Pourquoi ça saccade? Par où ça a l'air moins dégueulasse? Aucune idée. On va affronter lui pour se mettre en jambe un petit peu. Reconfiguration, ok. Ah, il s'appelle Invincible. Ah yes. Ça donne envie. Pas vrai. Ah merde! Ah, son épée elle fait sa vie! Bah c'est super ça! Ok. Très bien. J'avais pas compris que son épée elle faisait sa vie, je lui dis c'est bizarre, je prends des dégâts alors qu'il me tape pas. Et après j'ai vu l'épée. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-bas où il y a 850 milliards de mobs? En plus, c'est par là qu'il faut aller, j'ai l'impression. Et qu'est-ce que c'est que cette... C'est là d'être un robot là-bas. Bon, bah ok, allons-y. Est-ce que vous êtes tous paqués? Oh, au secours. Les Dagonites, c'était chiant, je crois. En vrai, ça mériterait de plaquer Odin, surtout. Oh là là. C'est pas qu'ils sont dégueulasses, on est d'accord. Non, c'est pour être sûr. Pour l'instant, j'ai pas pu attaquer. Hein. Je vais me laisser tuer, ça sert à rien. Je me suis fait bolosser. Encore plus que contre le truc doré. On va aller de l'autre côté. Hein. Il y a sûrement des objets géniaux. Hein. Mais j'ai pas des masses masochistes. Donc voilà. C'était ignoble. Spoiler, c'était ignoble. On va aller de l'autre côté. Et si là-bas c'est la merde aussi, bah ce sera bien relou. J'aimerais éviter les combats, peut-être. Normalement, je t'ai surpris. Ah d'accord, donc c'est quoi qu'il arrive. Ok, bon, le batteur Megrim,
Ça a pas l'air bien, donc... Il fait tellement mal. Au secours. On va peut-être les éviter en fait. Est-ce que c'est possible, vous pensez? Dégâts qu'on prend, c'est débile. Surtout que le boss d'avant, on lui a roulé dessus, donc en vrai, c'est abusé quoi. Ça commence à être agaçant. C'est douloureux ça. On n'a jamais affronté ça normalement. Je crois pas hein. Alors, vraiment tu me tires dessus alors que c'est Feng qui tank. Hein. Ouais d'accord. D'assaut furieux, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Bon, c'est pas très grave, mais c'est quand même pas tout à fait ce que je voulais faire. Je voulais faire solidarité. Voilà, reste en l'air, c'est bien en l'air qui nous fait pas chier. Donc reste-y, si tu peux. Ouf. Heureusement qu'on est soigné après les combats par contre, parce que... Oh ça va, 5 étoiles. Objectif temps 6 minutes 50, très bien. Plus à crédit, tout ça pour ça.
Allez vous faire foutre. Comment ça? C'est dégueulasse. On rappelle que eux ils peuvent faire mort et c'est chiant. On pourrait essayer de les tuer vite. Il nous restera Jackie Casse-couille à la fin. Fusillade Man. Fang est décédé. Très bien. Tout va bien. Pas le prendre mal. Il n'est pas mort. Le 1 de vital. Nouveau souffle, vite. Cassage de couilles qui arrive. Ok. On y retourne. Ah, les combats, ils sont tellement dégueulasses. Après, ça va, c'est pas. On s'adapte, mais honnêtement, à l'époque. Tu sens qu'on arrive à la fin du jeu et qu'ils ont pas envie que tu finisses trop vite. Ça va pas être un jeu facile pour les gens qui ont du mal à organiser leurs pensées ou à faire des actions rapides. En vrai. Quand même, des prises de décision et tout ça, faut y aller quoi. Bah heureusement qu'il y avait la garde vite et heureusement qu'il y a la Funky Tank. Allez, il est temps de te mettre en choc et de te tuer. Putain, les attaques de zone tout le temps. Into 8000 PV en moins. Voilà. Envole-toi, STP. Quelqu'un peut lui faire un catapultage peut-être? Merci. Il arrête de nous bolosser le cul. Ça serait pas du luxe. Ok. Bon, c'est fait bolosser sur les premiers combats, mais là on commence à se remettre. Vous avez vu les packs? Ah! Il y a là-bas et il y a le même ici, ignoble, avec les 4 persos qui rush. Obscur. Alors, ce qu'on va faire, c'est des sauvegardes. Mais je crois que. Je crois que le boss est pas tout de suite. Ça va être comme la dernière fois, il va y avoir. 800 téléportations avant d'avoir un boss. Oui, hein, j'ai pris les premiers fichiers du jeu. Au secours. Rappelle qu'on a fait 99 téléportations. 99 sauvegardes.
Les bâtards! Ah, tout à l'heure, il y avait 3 TP, là, le boss direct. Ouah, c'est qui? Ok, bah pas de chocolat, alors. Ladislas. Même pas bonjour. Non mais d'accord! Mais il est mort. Mais vraiment? Vraiment? Ça a pas l'air bien ça. J'ai tellement mal. Faudrait penser à le debuff très vite. Il est trop casse-couille. On est d'accord qu'il est trop casse-couille ou pas? Les altérations d'état, il s'en fout. Il a... Ah ok, pour le mettre en choc, c'est affreux. Il mourra avant. Spoiler. Ok. Ok, je me suis mis des buffs tout de suite hein, parce que là, au secours. Il a tellement pas duré son debuff. C'est bon, maintenant il est lent. Il peut plus faire de magie. Bon, honnêtement, on risque pas de le mettre en choc. Bon, ça va. Mais tout à l'heure, les debuffs, ils partaient pas, quoi. Peut-être parce qu'il a tué Hope très vite aussi. Tellement mal. Eh B, objectif 40 temps, 4 minutes 50, durée du temps 1 minute 30, très bien. Alors certes on est en facile, mais au secours, il m'a défoncé tout à l'heure. Hein. Bon après ces salles là, ça fait pas du tout Kingdom Hearts. Absolument pas, hein. Les salles rondes avec des vitraux. Ok, on va save tout de suite. Parce que c'était trop chiant. Ok, boss, donc ok, donc il y avait juste le premier où il nous a TP 3 fois avant d'affronter un boss. Et là les deux c'est boss direct. Oh là là, ça a l'air chiant après. Alors quel est le fuck?
3000 balles. Bon alors c'est pas du tout l'armée Road. Hein. Vraiment pas. Oh non mais... Ah oh, et maintenant c'est un mob lui. Non mais par contre ça c'est pas possible hein. Ça c'est pas possible hein. Bah ok. Ah non mais déjà en boss il était relou mais vous le mettez avec un deuxième au secours hein. T'es obligé de passer par là? Oui. Easy. Ah non mais les Ladislas, non merci. Hein. Un, c'était largement suffisant pour tout le jeu. Attendez, déjà tout seul, il m'a éclaté la tête la première fois. C'est quand même pas que j'en affrontais plusieurs. Non. Je vais certainement pas me retaper les boss. Il a l'air d'avoir un truc important là-bas. C'est pas si important. Je suis sûr que c'est pas, je suis sûr que c'est pas si important, ouais. D'accord. Ok. Très bien, très bien. Les Templiers du Sanctum. Bon, ils sont trois, mais honnêtement, ils sont moins casse-couilles que... qu'il n'y paraît. Ils sont moins casse-couilles qu'ils sont stylés. Surtout pour l'instant, ils attaquent pas, donc... on va pas se plaindre. Là j'imagine qu'ils ont une barre de d'ATB qui est longue à remplir et après c'est la baisse au cul. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Ah oui ils font des buffs et des dissipations c'est ça. Est-ce qu'il y a un point de sauvegarde ici pour après parce que... Honnêtement, là, je viens d'esquiver des packs de mobs de l'enfer, j'ai pas envie de me les retaper. C'est quand même bizarre qu'on n'ait pas affronté le gros truc au milieu. Je me rappelle pas que ce mob on l'ait rencontré avant. Peut-être un boss caché. Enfin un boss optionnel plutôt. Des os. Parce que je sais qu'il y a des boss optionnels. Un peu à l'instar de FF10. Avec les chimères purgatrices.
Ok. Ça va. Eux, ça va, ils sont pas casse-couilles. Mais par contre, les autres, c'est un enfer. Bon, tu vas nous TP ou ça va être un boss? Ça va être un boss, là. Je sais pas, en vrai, parce que... Là, techniquement, on est venu le voir, il nous a pas, on n'a pas eu de combat. Bon, je crois qu'on part sur un TP. Beaucoup de sauvegardes. Et on va partir sur... Voilà. Des effets temporaires, et là il va nous TP. J'ai tellement saoulé. C'est bon, c'est le boss. Ah! Qu'est-ce que c'est? Éliminateur Tiamat! Eh bah, super. Grenade de glace, ça va, c'est pas trop. C'est pas trop douloureux pour l'instant. On peut le choquer vite. Apparemment. Ah oui, il a 200. On va lui casser la gueule alors. Paf! T'as pas eu le temps de finir ton attaque. Oh, mais il nous a débuff. Très bien. Ça a pas l'air par contre de le faire trop chier le choc. Hein. Il continue à faire ses bails nuls. Ses grenades de glace. Ça va. Plus de laser. C'est un peu plus douloureux. Surtout si c'est toujours sur la même personne. Ça va vite être chiant. Bon, du moment qu'il nous fait pas comme... comme l'autre boss de... Rayon guidé. Rayon guidé! Ça a tellement tanké. On peut le debuff maintenant ou pas? Je crois qu'au début, avant d'être choc, il peut pas être debuff. Ouais, on peut le debuff, ça y est. Debuff toute ta vie, Hope. Hein. Vas-y. Il y a ce catapultage qui a fini par passer. Get
Si tu peux le ralentir encore, s'il te plaît. Là, on est content d'avoir le fait de pouvoir donner des ordres vraiment à ses mates hein, dans FF7 Remake. Ah, par contre, lui nous a mis lenteur, c'est super. Ça fait plaisir. Peut-être s'il est en choc, on peut le debuff. Ça. On va refaire un nouveau souffle, comme ça c'est fait. On gâche des barres de PT, mais honnêtement, on s'en sert quasiment jamais. Et là, je pense pas qu'il va nous one-shot aussi facilement. Ça commence à devenir casse-couille. Hein. On aimerait pouvoir attaquer. Voilà, sur Light, c'est moins grave à la limite. Enfin, c'est moins grave. Donc, elle a beaucoup de PV, donc prendre 500 par tour, c'est moins impactant. Le debuff il part tellement vite. Ok, c'est bon, il est lenteur. Assaut furieux. On lui met tout ce qu'on peut pendant qu'on peut. Bâtard. Ok, il est toujours lent. Plus maintenant. Contre Light, elle est lente. Ça, c'est pas bien. Il veut pas le debuff. Tant pis, on va passer en choc alors.
Aïe. C'était douloureux. Si vous pouviez arrêter d'être paqué, c'est quand même génial. On va prendre 20 lasers par tour. Chacun. Allez, meurs, ça suffit maintenant. Tiens le coup. Normalement c'est le dernier choc. Si on le laisse en l'air, il est mort. Et le coup de grâce est pour Feng. 2 étoiles. 9 minutes 5. Oh, j'ai fait que 1 minute 40 de plus. Gantelet impérial. C'est pour Snow peut-être. Ok. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit point de sauvegarde? Il y en a un là-bas. Ça sent quand même, voilà. Ils ont repop les petits bâtards. Oui, bien sûr. Martin Delus, tout ça. Du coup, ouais. Un petit énergisant pour les barres de... Voilà. Les barres de pété. Ça s'écrit comme pété. Et dans le doute... De toute façon, j'ai sauvegardé. Si c'est pas le cas, je rechargerai la partie. Je me téléporte. Et je vous gueule. Ah, ils ont mis un petit point de sauvegarde quand même. C'est sympa. Sautes de sauvegarde. En vrai, on se rend pas compte au début. Attendez, mais c'est une salle d'attente en fait. Et les petits fauteuils et tout. Vous venez pour l'apocalypse? Tapez 1. J'espère qu'il n'y a pas 20 salles par contre. Énergisant, ok. Bien sûr. J'espère que le compte à rebours il compte pas pendant les cinématiques par contre, hein, sinon je vais être blasé. Non mais vous êtes sérieux? Ok, attendez. Pas gâcher des objets pour rien. Ok. Parce que si on peut, genre...
augmenter vite fait les stats une dernière fois. Combo éclair, on dit pas non, ça a l'air bien. Bonus de combo variable. Ah. Bonus de PV par contre, c'est oui. Et ça on l'aura pas, ok. Si ce qu'on peut améliorer vite fait, les soins aussi. Branche soigneur, au moins on est niveau 4, c'est déjà ça. Et un niveau de sabotage. Ça ne fait pas de mal. Stase. Bon, ça marche sûrement pas sur les boss, mais. Cercle vicieux. Ah oui! C'est-à-dire tu peux tu peux refresh les altérations d'état. Et ça, c'est bien. Pas mal ça. J'aurais dû aller là en premier. Bon, vous aussi on le fait, mais honnêtement on vous jouera pas, donc excusez-moi, excusez-nous. Ça sent quand même la fin de jeu là. Parce que le chapitre s'appelle quand même le dénouement. J'ai beau pas être subtil parfois quand même quoi. Faut pas non plus déconner. Toujours plus de PV. C'est marrant parce que ça aussi ils l'ont utilisé, enfin, ils l'ont utilisé dans FF7 Remake. Scène de se ferrier un petit peu aussi avec des compétences et tout. Ils ont un peu pris de tous les FF.